Alléluia, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai la puissance. Léo Nico na Uwezo. To bonde la Nzambe. Tuombe Mungu. Nzambe na lola. Mungu wa mbinguni. Kolo na biso Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo. To zong celebrate na matondi. Tunakurudisha shukrani sana. Bozali bon. Kwa sababu uko mwema. Bozali merveilleux. Uko maalum. Père bien-aimé. Baba mupendwa. Kara Isusu Seigneur. Tazama tena Bwana. Umemibisha na poko ya leo. Umetubeba hapa jioni leo. Bona yako adore yo. Kwa kukucha kukuabudu wewe. Bona yako kumisa yo. Kwa kukua kukusifu wewe. Bona yako sanzo la yo. Kwa kukua kuabudu. Bona ya Seigneur. Kwa kukucha yeye Bwana. Kwa quelque chose. Kwa ajili ya kusikia vitu vya kweli. Nzambe bana na o Seigneur wana wako Bwana batiki misala na bango acha makazi zao batiki bokipasho na bango bazwami o Seigneur patikana hapa na yote na poko ya leo tunajua kwamba jioni ya leo elonga ezali ya bango ushindiko yao msasa ezali ya bango uwezo ni yao option ezali ya bango uwezo ni yao haleluya haleluya Père bien-aimé baba mpendwa manifeste toi utizirishe baba ce soir Seigneur Jésus jioni ya leo Bwana Yesu Père Saint baba mtakatifu batiki lo sambo ya poko oyo na maboko na yo Seigneur eza la mumbo na yo ikuwe mtumishu wako oya kotele maawa pia ye pembeni Seigneur yo moko solo la papa pambo la Bethel Tabernacle pikisa Bethel Tabernacle kango la Bethel Tabernacle tondisa biso na nguya moni mwoteso tombona na maboko na yo Seigneur merci Jova pona poko wa kitoko oyo pesi biso Bona kwa adore yo papa. Pambola bandeko. Bariki bandugu. O bazana na simanzambe. Benye bangali nyuma Bwana. Bakoma kolo. Acha kwa mabafike. Bona kwa koyoka yo Seigneur. Bariki kukucha kusikia wewe Bwana. Pambola pasteur. Bariki mchungaji. Pambola ba predicateur. Bariki ba huduma. Pambola ba usie. Bariki ba bababu. Pambola ba diake. Bariki ba shemashi. Pambola ba seize frère. Bariki bandugu na badala. Baba mtakatifu sana. Tusikie ya diable. Yote yako ya shetani. Ekende libanda. Na kombo na kolo su Kristo. Tikete presence na yo Eza la yongo mako na biso Oko mara biso Na kati na maemasyo kwa sale maawa Pono lukumu na kombo na yo Na kombo na kolo su Kristo Amen Amina Toko vete la Nzambe maboko Tutapigia mikono yetu Mungu wetu mikono na shangwe Ok kombo na kolo kumisama jina la Mungu lipewe sifa. Zambe na biso azali malamu. Mungu wetu iko mwema. Okay, toko zwana kati ya buku na biso. Tutakamata ndani kitabu yetu ya nyimbo. Toko zwana nzembo na biso. Tutakamata nyimbo yetu. Numero 24. Nambari 24. Toko yemba ya Lingala. Tutaimba ndani ya kitabu ya Lingala. Sika moko ijali kitoko Kuku na bali mwe ya mzuri sana Kuku mwona ya Namina kwamba kitafiki Ata ako jera biso na nzera Kama atatungoya njiani Owa bongi sera biso ndako Kwenye anatutengelezea sisi Amen ha Amen Toko bete la Nzambe maboko Tutapigia Mungu mikono Toko bide la Nzambe Tutaimbia Mungu Toko kumisa le roi de roi Tutasifu mfalme ya wafalme Oh, esika moko ezali kitoko Na bondi mitoko mona ya Tata ako jela biso na nzela Po abongi sela biso Ona mwakango Ango muki Toko kuta na ngamu yusuzi Na mwakango muki Tanangamo, ona mwatangu Ango mukere, toko kutana Kambo isuzi, mwatango moke Toko kutanangamo esoto Kambo kakitoko toko yema Tembo kitoko oya lola Toko jala lesoto na mawate Koko kive la eko shira Ona mwatango Ango muke Toko kutana mbamu esuzi Na mwatango muke Toko kutana mbamu Ona mwatango Ango muke Kukutananga koe soto Namata kogote
Encore une fois, a donné moi une acclamation glorieuse pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, que serait-nous? Si ce n'était pas Jésus, que serait-nous? Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! N'est-il pas merveilleux? Je dis, n'est-il pas merveilleux? Alors si le merveilleux, criez-moi alléluia dans Dieu. Alléluia! Si tu n'as pas l'amnésie, crie-moi alléluia plus fort. Alléluia. Si tu es vivant, dis-moi amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Asante sana.
je ne pas, c'est pas moi qui va prêcher. Aiko mimi ndiye nitahubiri leo. C'est notre diacre Budala qui va prêcher ce soir. Iko shemasi wetu Budala ndio atahubiri jioni ya leo. Amen. Ah, c'est toi qui le cherche. Wewe ndio niko natafuta. Ça c'est notre petit. Oui, ni mdogo wetu, kuja kwanza kidogo panda huko. Les gens qui ne te connaissent pas, qui te connaissent. Huko watu hawakujua wakufahamie. Il était parti à Kinshasa il y a longtemps. Alienda Kinshasa miaka ishapita mingi. Notre premier pianiste. Huyu ni pianiste wetu wa kwanza huyu. C'est le petit Michael Ngoi. Yeye ni mdogo Michael Ngoi. Le fils aîné du frère Jibril. Iko ni mtoto wa kwanza wa ndugu Jibril. Qui le connaissent? Wanani wanamjua? Tu vois, c'est mon peu. Unaona ni wadogo sasa? Il est parti, c'est pas combien d'années? Usha kwa miaka ngapi? 16 ans. 12 ans. Il est parti à 2008. Mpaka 2021. Mpaka 2021 miaka 12. Pas 13 ans. 12 ans. 13 ans. 13 ans. Il a grandi. Arakoma. Il est devenu. Qu'est-ce que je vais appeler? Architecte ou quoi? Peintre. Peintre quoi? Tu as la licence ou le graduat? Voilà. Licencié en art et plastique. Yeye ko licencié mouille a kuchoraji a rangi na bia plastique. C'est à l'université encore. Académie des Beaux-Arts. Tokyo Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Nous sommes heureux de te voir de retour. Tuna furahi kukuona unarudia miongoni mwetu. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Sois le bienvenu à la maison. Karibu nyumbani. Merci beaucoup. Asante sana. Pendant toutes ces années, il a tenu bon, il a tenu la parole. Miaka yote hii alisimama ndani ya neno. Mais d'autres zaka ipata comme ça, il laisse. Wengine sawa wanaendaka. Ah, naachana na neno. Jeune Kijana, que mon Dieu te bénisse. Acha Mungu wangu akubariki. Amen. Merci. Asante. On va parler après. Asante. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Je l'aime beaucoup. Nampendaka sana. Très, je l'aime beaucoup. Nampendaka sana. Donc il est parmi les premiers comme Simeon et qui avait appris aux gens des jours. Iko wale wa kwanza walifundisha kupiga nani keyboard, piano. Donc il y a le prémisse. Iko ndio wa kwanza wale. Lui, yeye et Joseph Chilembi. Na Joseph Chilembi sont les premiers fruits de Simeon. Wale ndio matunda ya kwanza ya ndugu Simeon. Et de Thiel qui les avait enseignés. Na ndugu Etienne Shungu aliyewafundisha. Et aussi Ariel. Na Ariel Cheko. Quand je partais à Kinshasa. Wakati nikwenda Kinshasa. Je le cherche. Niko na watafuta. Tous les deux pieds dans la parole. Wakati kuna miguu yote mbili ndani ya neno njo. C'est merveilleux. Ni ya mzuri sana. Que Dieu te bénisse ce jour. Asi Mungu akubariki kijana. Que Dieu bénisse aussi ce soir. Akubariki jioni ya leo. Est-ce que vous serez vos chatés? Chaudi tutasimama juu tuimba nyimbo. La chemise David est à la fontaine de sang. Basi le chemchem ya révélé au monde des pécheurs. Ambaye ilifunuliwa kwa dunia le cher fils de Dieu. Basi abarikiwe mwana mpenzi wa Mungu. Ambaye anaponya kupitia vidonda vyake. Béni soit la fontaine de sang. Révélé au monde. Béni soit le cher fils de Dieu. J'ai causé de la peine à mon cœur. Oh, de l'agneau, je sais plus là. Oh, oui, la neige. Alléluia, blanc. La voix dans le sang de l'agneau. Oh, oui, la neige. Au grand voisin,
Nous te remercions Seigneur Jésus, nous te bénissons Père, pour ta grâce, ta beauté, ta miséricorde, envers chacun de nous, combien nous te sommes vraiment reconnaissants, pour la vie éternelle, le Saint-Esprit de Dieu vivant, pour la guérison divine, pour les signes approchés miracles, que tu es en train de manifester au milieu de nous, ce soir. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te bénissons, sois loué à jamais. Père Céleste, encore une fois nous sommes rassemblés pour parler de ta part, pour briser l'épée de vie, nous t'appelons sur la scène, viens nous parler ce soir, viens nous visiter ce soir, viens guérir les malades, libère tous les captifs. Père, Baba, manifeste-toi d'une manière extraordinaire. Si tu es le Dieu tout-puissant, tu peux faire toutes choses. Manifeste ta puissance en guérissant tous les malades, en remplissant les cœurs des gens. Que personne ce soir ne sorte de qui il t'a béni. Nous nous tenons ce soir. Tel est nos puissants de Jésus-Christ pour paralyser tout ce qui est l'ennemi. Nous le foutons dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se déverse au milieu de nous, Seigneur. Viens nous parler ce soir. Je suis rien, Seigneur. Je compte sur toi. Ce peuple est venu pour t'écouter. Merci, Seigneur. Parle au travers de moi. Guéris au travers de moi. Manifeste ta puissance. Montre que tu es vivant au milieu de nous ce soir. Nous t'acclamons encore une fois de plus. Nous te louons, Seigneur.
sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes bien d'appeler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a accordée à toi. Et que Dieu bénisse de ton serviteur, mon pasteur, pour m'avoir accordé ce temps. Pour venir parler au racheté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons directement notre Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Nous allons lire le premier verset, on va sauter au 7e jusqu'au 8e. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes maladies et toutes infirmités. Akaita kwake wanafunzi kumi na wawili, akawapa amri juu ya mapepo wachafu kuwafukuza na kuponyesha namna zote za magonjwa na udhaifu. Et nous sautons verset 8, il dit ceci. Mustari wa nane, nasema, Saba. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Na mukikwenda kuhubiri mukisema ufalme wa mbinguni ni karibu. Ponyesheni wagonjwa, fufueni wafu, safisheni wakoma, toeni pepo wachafu. Mulipokea bure, toeni bure. Nous allons dans Marc chapitre 16. Tunaenda ndani ya Marko sura yake 16. Marc chapitre 16. Sura yake 16 ya Marko. Verset 15 dit ceci. Sura yake 15 nasema. Il leur dit, allez partout dans partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Akawaambia, kwendeni katika dunia, pia mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun point de mal. Ils déposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout les partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Na alama hizi zitafuatana nao wanaoamini. Kwa jina langu watatokeza pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, kama wakikunywa kitu cha kufa hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi nyuma ya kusema nao Bwana Yesu akachukua juu mbinguni, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale waliotoka wakahubiri habari pahali popote, Bwana akitumika pamoja nao na kuthibitisha neno kwa alama zilizofuata. Amina. Tunaweza keti kwanza. Continue lecture da 1 Corinthiens chapitre 2. Tunaenda na usomi wetu ndani ya Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili. Du premier verset jusqu'au 5e. Wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 5. Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncez le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nami ndugu, wakati nilipokuja kwenu, sikuja ni kuwahubiri nyinyi kwa maneno makubwa, wala kwa maneno ya akili. Maana nilikusudia nisijue neno moja katikati yenu,
Ila Yesu Kristo, nae amesulubiwa. Na mimi nilikuwa kwenu katika uzaifu, na katika woga, na katika matetemeko mengi. Na neno langu, na maubiri yangu, hayakuwa kwa maneno ya akili ya kushawishi watu. Lakini katika onyesho la roho na la nguvu. Imani yenu isiwe katika akili ya watu, lakini katika nguvu za Mungu. Amina. Okay. Ainsi, je voulais prendre encore pour terminer dans 2 Corinthiens chapitre 3. Wa Korinto wa pili kwa kumalizia sura ya 3. Verset 6. Mustari wake wa 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ambaye alituwezesha sisi kuwa watumishi wa agano jipya, si kwa andiko, lakini kwa roho, kwa sababu andiko linaua, lakini roho anapatiza uzima. Amina. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Mungu abariki usome wa neno lako mjina la Yesu Kristo. Bonne fois, je remercie le pasteur. Mara ngine tena namshukuru mchungaji kunipatia neema. Venu me tenir au debout devant vous. Ya kusimama tena mbele yenu. Pour parler de la part du Seigneur Jésus Christ. Kuzungumza kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Je n'ai pas une grande chose ce soir. Mimi sina jambo kubwa sana ya kusema jioni ya leo. Je vais parler sur une petite chose ce soir. Nitazungumza tu juu ya jambo kidogo jioni ya leo. Je te dirai cela. Nimeita hivi. Il faut la manifestation. Inaomba dhihirisho ya zaidi ya maumbile. Pour confirmer que Dieu est toujours vivant. Juu ya kudhibitisha waziwazi ya kwamba Mungu angali tu hai. Hallelujah. Amina. Si n'y a pas la manifestation du surnaturel. Kama hakuna dhihirisho ya zaidi ya maumbile. Nous ne serons pas si Dieu est vivant. Hatutakuwa na uhakika kama kweli Mungu yu hai. Peu importe la théologie. Haizuru teolojia. Peu importe la connaissance. Haizuru ujuzi unayo. Peu importe le séminaire. Haizuru semina nyingi. Peu importe votre exercice. Haizuru mazoezi yako. Mais il faut que le surnaturel soit manifesté. À ce moment, vous saurez que Dieu est vivant. Que Dieu est ici. Quand Dieu guérit quelqu'un, vous allez voir, vous allez dire que réellement Dieu est au milieu de nous. Pourquoi? Le surnaturel est accompli. Alléluia. Nous avons besoin de la manifestation. Une église de Dieu vivant doit avoir la manifestation spirituelle. Nous ne voulons pas une église charnelle, une église froide, mais une église où Dieu agit. Il se manifeste. S'il est guérisseur, il guérit. S'il est sauveur, il peut pardonner les péchés sauvés. C'est ça l'église de Dieu vivant. C'est ce dont nous avons besoin. Le pasteur a parlé. Nous avons reçu l'enseignement. Mais nous voulons maintenant la manifestation. La confirmation des choses. C'est ce Dieu qui a parlé. Qui confirme sa parole. Alléluia. Oh, Dieu ce soir. Amen. Amina. Nous voyons. Israël est en Égypte. Israël est en Égypte. Sans aucun surnaturel. Bila hata alama moja zaidi ya maumbile. Pas de surnaturel. Hakuna maajabu yoyote. Joseph leur avait parlé. Yusuf aliwaambia. Je sais que. Najua ya kwamba. Un jour. Kuna siku. Votre Dieu vous visitera. Mungu wenu atawatembelea. Mais ne laissez pas mes os ici. Lakini msiache mifupa yangu hapa. Dès que vous allez quitter l'Egypte. Wakati mtaondoka mimi. Amenez-moi dans ce pays là. Pepe mifupa yangu na leo. Mon père avait parlé cela. Baba yangu alizungumza juu ile nchi. Ils étaient là-bas. Walikuwa kule. Ils attendaient. Walikuwa nasikia. Et nous voyons. Na tunaona. Dieu avait écouté les cris. Mungu alisikia kelele za watu. Il a envoyé un libérateur. Akatuma mkombozi. Moïse. Musa. Qui était né. Ambaye alizaliwa. Sa maman. Bila mama yake. Akomasa yake. Lui enseigner. Akaanza kufundisha. La théologie. Akaanza kufundisha. Dieu est comme ça. Dieu est libérateur. Wewe ni mkombozi. Dieu est ceci. Wewe uko hivi. Dieu est ceci. Wewe utafanya. Mais il n'y avait pas de surnaturel. Lakini hakukua hakikisha zaidi ya maumbile. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a grandi. Musa kakoma. Il a étudié. Akasoma masomo. Il était costaud. Akakuwa mkubwa sana. Sans le surnaturel. Il était charnel. Alikuwa kimwili. Il a tué un homme. Naye akaua mtu. Il a marqué la bite. Naye akakuwa. Il a fui. Akakimbia. Et ce soir. Na jioni leo. Vous pouvez être pasteur. Unaweza kuwa mchungaji. Diacre. Unaweza kuwa chama. Que vous soyez. Hata kuwa leo. Sans le surnaturel. Vous êtes charnel. Wewe uko kimwili mwili tu. Hallelujah! Vous allez prêcher charnellement. Vous allez chanter charnellement. Vous allez
prêcher charnellement. Parce que le surnaturel, vous ne l'avez pas encore raconté. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce Dieu-là qui sort du hors de l'histoire, qui se manifeste. Si Dieu a dit ce soir, je crois les malades. Vous qui êtes malade, vous serez guéri. Pas de problème. Alléluia. Ne vous attendez pas. Et moi je vais commencer à faire la parole de connaissance. Non, ce n'est pas ma montagne, mais ma montagne. Recevez-le. Soyez guéri maintenant même. Alléluia. Je m'en fous. Que ce soit les tuberculoses, les cancers. Il a dit, guérissez les malades. Alléluia. Voir à Dieu ce soir. Vous voyez mes frères bien-aimés. Israël était là-bas. Moïse avait sa théologie. Avait sa connaissance. Avait son instruction. C'était zéro. Il est quoi, sifuru tout. Il a fallu maintenant que Dieu descende. Il s'est souvenu de sa promesse. Dieu tient toujours sa parole. Peu importe le problème que vous avez, Dieu tient sa parole. N'ayez pas peur. Ne rétrogradez pas. Ne découragez pas. Dieu tient sa parole. Alléluia! Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quelque chose. A fait que Moïse puisse quitter là où il était. Moïse a marqué. Moussa a accompli la mission. Kutimiza il a fui dans le désert. Jangwani. Et là, Nakule. Dieu l'a vidé. Dieu lui a paru. Dans le puissant Arta. Ndani ya kijito cha moto. Et Dieu a parlé. Na Mungu akanena. Il a rencontré le surnaturel. Alikutana na zaidi ya maumbile. Dieu a manifesté des signes. Miracle. Devant Moïse. Mbele ya Musa waziwazi. Pour montrer qu'il est toujours Dieu. Alléluia. Si le Dieu ce soir, il va montrer les signes, les produits aujourd'hui même. Ce soir. Alléluia. Alléluia. Amina. Je voulais prendre quelque chose dans Dieu, sa parole. Tu as fait un peu de mal à la Bible, Daniel. Mungu a shikilia neno lake. Oh, soir en Dieu, Dieu, c'est soir. Utukufu murudirie Mungu jioni ya leo. Amina. Il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu. Je le prends ici rapidement. Naichukua hapa kwa haraka. La parole 95. Alors nous voyons ce qui s'est produit. Voilà Moïse qui se présente là. Ana Moïse a fika pale. Maintenant, sasa, après que Dieu lui a parlé, kisha Mungu kunena na Musa. Dieu lui a ouin. Mungu akamupaka. Moïse Musa n'était pas sorti de la présence de Dieu. Kutoka uwepo wa Mungu. Tel qui était venu. Il a reçu l'onction. Et le surnaturel Dieu venait accompagner Moïse. Musa. Si Dieu vous envoie, le surnaturel va vous accompagner. Dieu sera avec vous. Dieu va opérer des signes de miracles au travers de vous. Comme il a fait. Pour les apôtres ici. Moïse maintenant. Musa sasa. Voilà Moïse qui se présente là. On a ça Moussa nafika. Devant les enfants d'Israël en Égypte. Mbele ya watoto wa Israeli huko Misri. Avec les signes. Na ile alama mnyingi. Il a dit ceci, écoutez bien. Akasema hivi mfuate mzuri. J'étais dans la présence de Dieu. Nilikuwa mbele ndani ya uwepo wa Mungu. Je rencontre Dieu dans le désert. Nakutana na Mungu jangwani. Non pas j'ai fait le séminaire. Apana nilienda kusoma théologie. Non pas j'ai été formé comme ça. Mais si kwenda kufunzwa na mtu yeyote. Mais je étais dans la présence de Dieu tout puissant. Mungu mweza yote. Oh mes frères bien-aimés. Oh wapendwa. C'est dont nous avons besoin ce soir. Mais tunahitaji jioni leo. C'est d'entrer dans sa présence. Mungu ndani ya uwepo ya ule Mungu. Et nous verrons la manifestation. Utukufu kwa Mungu jioni ya leo. J'étais dans la présence de Dieu. Natoka ndani ya uwepo wa Mungu. J'ai vu Dieu. Nimemwona Mungu mwenyewe. Et Dieu a accompli un autre
accompli de grandes choses. Il a accompli un acte de guérison divine. Il a accompli un autre acte. Un miracle. Et il leur a montré que Dieu du ciel lui-même lui était à Paris. Après des centaines d'années sans aucune action surnaturelle, il leur a montré que Dieu était toujours Dieu vivant. Amen. Dieu l'a envoyé. Et il avait, et Dieu lui a dit, dis-leur que je suis t'a envoyé. Wambia kwamba niko amekutuma. Non pas j'ai été. Apana nilikuwaka. Où je serai? Ao nitakuwaka. Je suis. Wambia niko. Ota presa. Leo nakutuma. Il n'est pas j'ai été. Ya iko wa zamani. Et ce soir il est au milieu de nous aussi. Iko tu hapa miongoni mwetu. Comment déjà peuvent-ils prétendre être de Dieu? Comment déjà peuvent-ils prétendre être de Dieu? Namuna gani watu waanza kujidai kuwa wa Mungu? Et dire que les jours de miracles sont passés. Na kusema kwamba siku za majabu shapita. Lakini zote vine. Uponyaji wa bénédiction. Na ile mibaraka yote terminé. Ishakaisha. Et quand même dit. Na kusema tena. Il est le Dieu vivant. Ya kwamba ule kwa Mungu aliyekuwa hai. Le je suis. Na yeye yuko yule niko. Si le je suis. Kama kweli yeye niko. Il est tout aussi réel. Na kusema ile na gharama. Ile alikuwa kwa kijito cha moto na Musa. Il est tout aussi réel. Ce soir. Kweli jioni ya leo. Il peut faire toute chose. Na kufanya mambo yote ile. Votre cas. Il peut donner la solution à tout cela. Ne sachez pas que. Lakini ujue kwamba. Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas votre problème. Usiwaze kama Mungu ajue shida yako. Dieu connaît le problème de chacun de vous ce soir. Mungu anajua shida kila mmoja. La raison pour laquelle. Ndio sababu. Il est ici. Iko hapa. C'est pour vous. Ni kwa ajili yenu. C'est pour vous. Ni juu yenu. C'est pour votre problème. Ni juu ya shida yako. C'est pour votre guérison. C'est pour votre délivrance. Ni juu ya ukombozi wako. Voyez, il est ici. Uamini kwamba hapa. Il peut faire toute chose. Ataweza kufanya yote. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Qui soit difficile de Alléluia. Amina. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu kwa Mungu jioni ya leo. Laissez-moi avancer peu. Acha niende mbele kidogo. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Je voudrais parler quelque chose rapidement. Napenda tena kuchukua jambo lingine haraka haraka. Dans le message, j'ai quelque chose de temps. Ndani ya mahubiri mapanda njia ya wakati. Il dit ceci. Anasema hivi. Paragraphe 11. Kifungu 11. Et chaque fois. Na kila wakati. Il faut quelque chose. Inaomba. Quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute puissance. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amina. Et il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Alléluia. Amina. Il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. Alléluia. C'est le surnaturel qui va manifester que l'omnipotence est ici au milieu de nous. Quand vous voyez ces choses s'accomplir, ce n'est pas un homme, c'est Dieu agissant au milieu de vous. Alléluia. C'est là pour attirer votre attention. Qu'il peut faire encore davantage. S'il a fait pour une seule vie, frère, il le fera pour vous être toujours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu ce soir. Je continue à lire. Combien il est merveilleux ce soir, mes frères. Il dit quelque chose ici. Gloire à Dieu. Il dit que l'enseignement de la parole est une très bonne chose. La foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend de la parole. Écoutez. Mais il faut toujours le surnaturel pour confirmer que l'omnipotent vit et règne toujours. Juu ya kudhibitisha kwamba ule Mungu mweza yote anaishi na anaendelea kutawala. Il nous faut avoir quelque chose. Inaomba tuone kitu moja. Que miracle. Ya maajabu kabisa. Et je crois. Na mimi naamini. Que l'église. Ya kwamba kanisa. Se tient maintenant. Iko nasimama sasa. Au sein de la plus grande manifestation de l'omnipotence.
Kanisa inasimama hii siku ndani ya ile dhirisho ya ukubwa wa Mungu. Que le monde est jamais connu. Ambayo dunia hayaonaka ile maajabu ya Mungu. Nous tenons maintenant. Kanisa tuko ndani sasa. Au de la manifestation. Wakati wa dhirisho. L'omnipotence. Na ile uwezo yote ya Mungu. Toute puissance. Ya Mungu wote ile nguvu yake. Tout ce que Dieu était. Ile yote Mungu alitenda. Il a donné à Christ. Et tout ce que Christ était. Il a donné à l'église. Toute cette puissance. Et ici ce soir, nous devons bénéficier de cela. Cela nous appartient. Cela vous appartient. Cela vous appartient. C'est pour nous tous. C'est le temps qui est jamais disparu, bien-aimé. Nous devons voir cette manifestation de l'omnipotence. Que les malades soient guéris ce soir. Que les portes soient. Pour se marcher ce soir, que les aveugles puissent voir. Pourquoi l'omnipotence est ici maintenant? Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissez le Seigneur. Gloire à Dieu ce soir. Je m'efface peu. Oh, combien Dieu est merveilleux. Merci mes frères bien-aimés. Nous n'attirons pas les gens. Dans l'église. Mukanisa, par les discours vains. Juu ya utuba ya bure. Ou bien intellectuel. Au ya akili tu. Oh venez. Oh mukuje. Venez. Mukuje. Vous verrez ceci, vous serez ça. Mutakuwa iki, mutakuwa vous serez béni. Vous aurez des boîtiers. Mutapata magari. Non. L'église de Dieu vivant. Kanisa la Mungu aliyekuwa hai. N'attire pas l'église. Yeye aikokote kanisa. Na ile utupa ya bure. Laissez-moi parler cela. Acha nisome. Dans l'imitation du christianisme. Ndani ya uigaji wa ukristo. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Utukufu murudilie Bwana jioni ya leo. L'imitation du christianisme. Kuiga ukristo. Il dit quelque chose ici, il dit ceci. Anasema hivi. Paragraphe 75. Kifungu ya 75. 76. Na 76. Jésus a dit si moi je suis élevé. Je suis élevé. Yesu akasema kama mimi nainuliwa. J'attirerai tous les hommes à moi. Nitakokota watu wote kwangu mimi. Alors qu'on utilise le programme pédagogique de ce monde. Hata wanatumikisha ile mipango ya masomo ya dunia. Il n'y a pas de mal à ça. Hakuna ubaya. Il n'y a oui. Il dit ceci. Anasema qu'on ne laisse pas ceci de côté. Basi zarau ile. Mais lakini, l'homme n'est pas attiré à Christ. Lakini mutu hakokote kwa Kristo. Par l'intellect. Kupitia akili. Par la théologie. Kupitia teologia. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Et lui seul. Na yeye tu. Qui a le pouvoir affectif de Dieu. Ici nous attirons les gens. Hapa tunafuta watu. Par le baptême du Saint-Esprit. Baptizo Roho Mtakatifu. Car nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous attire. Pourquoi? Tu es la puissance attractive du Saint-Esprit. Fruta ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Connaît qui vous êtes. Anajua wewe uko nani. Il connaît qui vous êtes. Anajua wewe ni nani. Où vous étiez. Na wapi ulitokea. Quel est votre nom. Na jina lako ni nani. Votre famille. Na jamaa yako ni nani. Quel est votre problème. Jina lako ni nani. C'est pourquoi. Ndio sababu. Il est à la recherche. Iko na tafuta. À la recherche. Iko na tafuta. Et toutes ces masses. Ya kila wakati. Redéfiné. Iliyotangulizwa. Pour cette date. Juu ya ile wakati wa mwisho. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Quel est diable. S'élève ou pas, vous êtes connus par le Saint-Esprit. Dieu vous connaît. Il vous connaît. Il est ici pour vous attirer vers la manifestation. Il veut que vous soyez la manifestation de Dieu. Ce soir, la parole est à vous. L'omnipotence est à vous. La toute puissance est à vous. Parlez. Il va vous accorder cela. Alléluia. Il est puissant. Il est vivant. Il est présent. Alléluia. 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 Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes ici? C'est parce qu'il vous a tiré. Il vous a trouvé. Vous êtes dans la main de Dieu. Vous ne serez jamais perdu. Vous ne serez jamais séduit. Pourquoi? C'est lui qui est à vous. Et brise la grâce d'addiction.
Glory be to Jesus. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu kwa Mungu jioni ya leo. Alléluia. Alléluia. Il y a aucun démon. Hakuna hata pepo. Hakuna puissance. Hakuna nguvu yoyote ile. Pour rétrograde. Inaweza kufanya urudi nyuma. Gloire à Dieu ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que nous voyons, frère? C'est la chose. Il est déjà. Le Saint-Esprit lui seul. Ni Rome te gâte fouillé et tout. Le pouvoir attractif de Dieu. Ya kukokota ya les Mungu. Pauvres ne les recevront jamais. Wale wa maskini ya wata ipata. Les riches ne les recevront, ne les peuvent pas. Na wale watajira wata ipata. Qui ne deviendront pas pauvres quand ton chose du monde. Kwa kuwa watakuwa maskini kwa mambo ya dunia. Alors, sasa, ils essayent. Yeye anatumikisha. Watu. Wale watu wa dunia. Ah, watu wa dunia. Ils essayent. Wanapima. D'attirer des hommes dans l'église par des discours intellectuels. Mukanisa na utuba ya akili akili. Alors, sasa, ce qu'il nous faut, inye natuomba sisi. Ce n'est pas des discours intellectuels. Hapana ile utuba ya akili ya elimu. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Lakini inatuomba ni ubatizo wa Roho. Avec la puissance. Pamoja na nguvu. Et les démonstrations. Na dhihirisho wazi. Et les manifestations. Na dhihirisho mingi. De l'esprit. Ya Roho wazi wazi. Hallelujah. Amen. Quand nous prêchons la parole, l'évangile, non seulement parole, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, nous lisons de la Bible. Ils vont chasser les démons. Mais quand nous voyons les démons chasser, voici la manifestation. Alléluia. Gloire à Dieu ce soir. Vous voyez mes frères bien-aimés? C'est ça que c'est qu'il nous faut. Pour attirer des hommes à l'église. C'est l'action attractive du Saint-Esprit. Les écoles et les séminaires. C'est formidable. Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas ça le programme de Dieu. Dieu a choisi les ignorants et les illettrés. Des hommes qui ne parlent ne parlaient pas comme il faut, des hommes qui ne savaient même pas lire leur propre nom. Comme la Bible le dit, c'était des hommes du peuple sans restriction. Pierre ne savait même pas signer son nom. Il ne parlait pas de bonnes grammaires, de bon anglais ou bien de bon français. Mais il a été dans une école. L'école de la chambre haute. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand il est arrivé à la porte après l'appel, le trompier a regardé et dit: mes frères, aidez-moi avec le baptême. Pierre a dit: regardez-nous, regardez-moi. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Alléluia. Pierre. Ne fabriquez pas. Les appareils orthopédiques. Il ne faisait pas de métal. Mais il avait le créateur. L'omnipotent. Dans son cœur. Il a dit: ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi maintenant. Marche. Au nom de Jésus. Cet homme s'est relevé. Il a marché. Pourquoi? L'omnipotence était dans le stocker. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous voyons Malachi 4 nous a ramené à la foi apostolique. Le même Saint-Esprit, la même manifestation doit être ici ce soir. Ici ce soir, avec l'onction de Malachi 4, avec l'esprit des apôtres, soyez guéris, soyez bénis, soyez libérés, recevez ce que vous avez besoin. Alléluia. Glory be to Jesus. Hallelujah. Amen, amen.
Amina, amina. Utukufu murudie Mungu jioni ya leo. Haleluya. Amina. Ces gens. Wale watu. Ces hommes-là. Wale wanaume wale. Wale wanaume wale. Hawakuwatambua. Avoir avec Jésus. Kwa kujua kama walikuwa na Yesu. Par la façon de s'habiller. Kupitia mavazi yao. Mais par les œuvres qu'ils faisaient. Kupitia matendo. Les œuvres que Jésus fit. Ile matendo alikuwa anafanya. Il continue à le faire. Et ce soir. Les œuvres que Jésus a fait. Nous allons le faire. J'ai bien le faire. Pourquoi? Jésus a légué le pouvoir. Yeshua meleta ile à son église ce soir. C'est nous qui sommes sur le terrain. Et Dieu compte sur nous. Dieu compte sur vous ce soir. Qu'allez-vous dire à propos de ces problèmes? Qu'allez-vous faire à propos de votre crise financière? Qu'allez-vous parler? Dieu attend. Oui. Vous entendre parler. Vous entendre parler. À propos de votre problème. Alléluia. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu kwa Mungu jioni ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Waliwatambua kusema walikuwa na Yesu. Ils étaient là. Walikuwa pale. Wakifanya matendo ya Yesu. Acha niendelee tena kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Mara ngapi yeye ni waajabu. Kanisa la Mungu aliyekuwa hai. Et bâtisse la révélation. Yeye ayo inajengwa juu ya ufunuo. Amen. Haleluya. Amina. L'église de vivant. Kanisa la Mungu aliyekuwa hai. C'est la révélation spirituelle. Iko ni ufunuo wa kiroho. Que Jésus Christ le fils de ya Dieu. Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ce jour-là vous connaissez l'histoire. Ni mnajua hadithi mzuri hiyo siku. Jésus a demandé. Yesu aliomba. Qui dit que je suis. Wanasema nini kule kama mimi ni nani? Mimi mwana wa mtu. Ils ont commencé à parler. Wakaanza kuleta majibu. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Watu wamoja wasema wewe ni mbatizaji. Il y a des prophètes, yes, c'est ça. Mmoja wa manabii au kwa nini na akasema. Qui dit que je suis moi? Na yeye sasa mnasema mimi ni nani? C'est Pierre ni Petre, qui avait reçu la révélation. Tu es Christ le fils de Dieu vivant. Jésus a dit. Yesu akasema, tu es heureux Simon. Wewe ni waheri fils de Jonas. Mwana wa Yona. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Mwili wala damu. Qui t'ont révélé ce Dieu kufunulia mambo haya. L'église catholique. L'église catholique. Lialuta. Ok, l'église de Dieu. Inasema est parti. Kama kanisa ya Mungu. Si Pierre. Juu ya l'église de protestants. Juu ya Petro. Wale wa poro wanasema. L'église est partie. Inajenga kanisa. Jésus lui-même. Juu ya Yesu mwenyewe. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Sikia zaya Yesu alisema. Il a dit ce ne sont pas la chair. Anasema haiko mwili. Le séminaire non. Hapana semina. Oh my man. Haleluya. La Bible dit cela. Acha nisome kwa haraka. Il est tellement merveilleux. Yeye ni wajabu kabisa. Quelque chose qui t'a après toi. Acha nisome hapa jiharakishe. Oh la la. Amina. C'est prêché de quoi? Il est obiriwa. Prêché c'est le 2 février 58. Et quoi? On t'a rembili mwezi wa pili mwaka makumi tano na nane. Est-ce que je prendre rapidement? Acha ni kamate kwa haraka. C'est tellement merveilleux que jamais. Hakika ni ya majabu zaidi ya zamani sana. Gloire soit rendue à Dieu ce soir. Utukufu murudie Yesu. 2 février. Tarehe mbili mwezi wa pili. Oui. C'est 48. Hamsini na nane mwaka. Paragraphe 25. Kifungo yake 25. Je voulais peut lire cela rapidement. Nitaisoma haraka haraka. Il dit quelque chose ici. Anasema hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Maintenant. Sasa. Oui, c'est ce que je voulais d'expliquer. Je vais aller rapidement. Nitaenda kwa haraka haraka. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Aiko mwili wa damu ndio likufunulia mambo haya. Na point reçu cela. Wao kupata ile maneno. Kutokea semina. Où tous les deux groupes sont passés. Kwenye ile makundi yote mbili walipitia. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Aiko mwili wa damu ndio likufunulia mambo haya. Mais c'est mon père. Lakini baba yangu. Qui est dans le ciel. Aliye juu mbinguni. Qui te l'a révélé. Jo anakufunulia. Et si cette pierre. Na juu ya jiwe hili. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Et les portes de Saint-Jude de mort. Na milango ya Hadesi. Ne peuvent pas détruire cela. Haitaweza kuibomoa. Qu'est-ce? Ni nini? La révélation spirituelle ufunuo du Seigneur Jésus-Christ. Ufunuo wa kiroho wa Bwana Yesu Kristo. Voilà.
C'est ce qu'a toujours été son église. C'est ce qu'Abel Abel avait. C'est ce que les apôtres avaient. Ils avaient la révélation. Alléluia. Amen. C'est ce que les apôtres avaient. C'est ce que vous avez. C'est ça l'église. À soi. C'est la révélation spirituelle du Fils de Dieu qui vous est rendu manifeste dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Cette révélation, quand cela vient à vous, cela amène Dieu à vous directement. Et Dieu peut se manifester au-delà. Aussi longtemps que vous vous abandonnez à lui, Dieu va se manifester au travers de vous. Pourquoi? Vous êtes le centre de la révélation de Dieu sur la terre. Alléluia. Laissez-moi avancer. Quel temps nous vivons? Wakati gani tunamoishi? Je ne mettrai pas longtemps, je vais arrêter. Nitasimama. Je vais lire quelques citations maintenant pour terminer. Nitasoma tu andiko mbili na nitasimamisha kwa leo. Ainsi, là où nous venons de lire. Na pale kwetu tunatoka kusoma. Dans Matthieu chapitre 10. Ndani ya Mathayo sura ya 10. Et dans Marc 16. Na ndani ya Marko 16. C'était la dernière commission. Il est quoi, utume wa mwisho? Que Dieu avait donné à son église. Ambaye Mungu alipatia kanisa lake. Alléluia. Amen. Avant de s'en aller au ciel. Mbele aondoke kwenda mbinguni. Il a donné une commission à tous les croyants. Waamini wote. Il vous a donné cette commission. Aliwapatia ile kazi. Alléluia. Amen. Et si la même la première commission. Na ile a été donnée dans Matthieu chapitre 10. Pewa ndani ya Mathayo sura 10. Allez prêcher la paix de l'évangile. Nendeni mwende muhubiri na uponeshe wagonjwa. Purifie les lépreux. Usafishe wakoma. Resiste les morts. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Nanyi mupane kwa bure. Et dans Marc 16. Ndani ya Marko 16. Allez partout le monde. Nendeni ulimwenguni kote. Prêchez la bonne nouvelle. Uhubiri habari njema. Celui qui croira. Ule atakayeamini. Mais il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas. Na ule atahata amini. Sera condamné. Yeye atahukumiwa. Et voici les miracles. Qui accompagne ce gros cri. Ambaye atafuata wote watakaoamini. Vous connaissez le passage. Unajua ile andiko. Laissez-moi prendre quelque chose et c'est pour aller rapidement. Acha nichukue usomi fulani juu kwenda haraka. Roho sio rendia Dieu ce soir. Utukufu murudilie Mungu jioni ya leo. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Je prends quelque chose ici dans la commission. Ndani ya mahubiri utume. Oui, la grande commission plutôt. Ndani ya mahubiri utume kubwa. Tarehe 1 mwezi wa 3 58. 1 mars 58. Tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 1958. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu murudilie Mungu. Yeye ni ajabu kabisa. Moja, tarehe moja mwezi wa 3 mwaka 58. La grande commission. Utume kubwa. Il dit c'est dans paragraphe 7. Kifungu yake ya 7. Je voulais lire cela rapidement. Napenda nisome kwa haraka. Il dit ceci est reconnu comme étant la grande commission. Inajulikana kuwa kizazi ya utume kubwa. C'était les dernières paroles que notre Seigneur avait prononcé. Il est quoi ni maneno ya mwisho ambao Bwana wetu alitamka. Et la première fois qu'il a envoyé ses disciples. Na mara ya kwanza alipotuma wanafunzi wake. Ndani ya Mathayo sura 10. Il leur avait donné une commission. Tunaona kwamba aliwapatia utume. Qui consistait à résister les morts. Ambao kazi yake ilikuwa kufufua wafu. Kufukuza pepo wachafu. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Kwa bure nanyi mupanye kwa bure. Et la dernière commission. Na ile utume wa mwisho. Ambao alileta. C'était dans le monde entier. Isema mnendeni ulimwenguni. Et continuer juste comme on l'avait fait pour la première fois. Na muendelee tuna kazi hizi tulifanya mara ya kwanza. Guérir les malades. Muponye wagonjwa. Et poser les mains aux malades. Mweke mikono wagonjwa. Et chasser les démons. Na mufukuze wa pepo wachafu. Et c'est un privilège pour moi. Na iko fadhili kubwa kwangu. De me tenir avec des hommes comme vous. Kusimama na watu kama ninyi. Côte à côte. Karibu karibu. De ce grand combat. Ndani ya vita kubwa hii. Dans le monde, appeler le christianisme. Ndani ya dunia wanaita ukristo. Et prendre position. Na kuchukua msimamo. À côté de vous. Karibu yenu. Comme l'un de ceux qui croient cette commission. Kuwa kama mmoja wale wanaamini utume hii. Et cette commission était aussi réelle. Na ile utume ilikuwa hakika. Excusez, j'ai sauté. Nimeruka.
Et aussi capital. Ni ya muhimu sana. Iko ya muhimu sana gisi gisi ilikuwa kama mwanzo. Imeletwa ile utume. Alléluia. Amen. Maintenant. Sasa. Cette commission demeure aujourd'hui. Ile kazi iko ya leo. Cette commission demeure aujourd'hui. Ile kazi inabakia ile ile na leo. Et Dieu continue à manifester cela. Na Mungu anaendelea kudhihirisha. Au travers de son épouse. Kupitia bibi harusi wake. Marc 16 est en marche. Marc 16 iko mukazi. Dieu ne laissera jamais sa parole tomber. Mungu hataacha neno lake lifeli. Ceux qui ont cru. Walioamini. Les miracles doivent les accompagner. Ile ajabu inapaswa kubasindikiza. Alléluia. Amen. Nous devons voir cela. Dans la manifestation des surnaturels. Dans l'église de Dieu vivant. Laissez-moi lire rapidement, je termine. Gloire à Dieu. Je prends quelque chose ici dans. Oui, dans entretien sur l'œuvre des missionnaires. Entretien sur l'œuvre des missionnaires. Entretien sur l'œuvre missionnaire. Ah, maongezi kwa ajili ya kazi ya kimisionari. Il est prêché le 3 mars 58. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 58. 3 mars 58. Tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 58. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu murudilie Mungu jioni ya leo. Excusez, c'est 3 mars. Munisamehe iko tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 58. 3 mars 58. Je voulais prendre ça rapidement. Na, kuchukua, na tunamalizia pale. Paragraphe 11. Kifungu yake ya 11. Il dit quelque chose ici. Anasema jambo fulani hapa. Paragraphe 11 dit quelque chose. Anasema hivi mkifungu yake ya 11. Il dit ceci maintenant. Sasa. Parce que dans Marc 16. Kwa kuwa ndani ya Marko 16. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Alisema nendeni mhubiri habari njema. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Na ile injili ni habari njema. Et la bonne nouvelle c'est la Bible. Na habari njema ni Biblia. Et la Bible est une lettre. Na Biblia ni andiko. Mais l'évangile. Lakini injili. Ne nous est pas donné en parole simplement. Hawaikuleta kwenu kwa maneno tu. Et nous avons dit que la lettre est une. Na tumesoma kama andiko la Mungu. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Lakini roho ndio inaleta uzima. Il faut le Saint-Esprit. Naomba roho mtakatifu. Descende sur la parole. Ishuke iseme ndani ya neno. Parole de Dieu. Sinon, elle ne se manifestera jamais. Si, comme si, il y a été zirika kamwe. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu ce soir. Utukufu kwa Mungu jioni ya leo. Anasema sasa. Qu'est-ce que l'évangile? Injili ni nini? L'évangile signifie la bonne nouvelle. Injili ni kusema habari njema. La bonne nouvelle, c'est la Bible. Injili habari njema ni Biblia, lakini Biblia. C'est la lettre. Iko ni andiko. La lettre T. Na andiko na uwa. L'esprit vivifie. Lakini ni roho inayoleta uzima. Ainsi. Na hivi. Paul a dit. Paulo alisema. L'évangile. Injili. N'est pas seulement venu. Haikuja. La parole, mais avec la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, le seul moyen par lequel l'évangile pourrait donc être prêché, c'est de manifester la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ensuite, kisha. Quel est le passage suivant? Sasa andiko ya kufuata ni gani? Et une conjonction. Na unganisho. Voici le miracle. Ona Maria. Qui accompagne ce miracle? Amata sidikiza watakaoamini. Non pas. Hapana. Voici le miracle. Hapana ona Maria. Inya inaweza. Les accompagner. Kuwasindikiza. Ii doivent les accompagner. Inaomba maajabu iwasindikize. C'est de voir. Inaomba. Les miracles. Inaomba maajabu. Doivent vous accompagner. Inaomba iwasindikize. Doivent accompagner chacun de nous. Sindikiza kila mmoja. Doivent m'accompagner. Inaomba nisindikize. Nous voulons ce soir. Inapenda tropende. Alléluia. Amina. Voilà vous mes frères. Muna ona ndugu zangu. Tu avez nous accompagner ce soir. Ina tupaswa ile maajabu itusindikize. Tu atie. Utukufu murudilie Mungu. Mais ils doivent accompagner ceux qui auront cru. Inaomba isindikize walioamini. Alors, sasa proprement parler. Kwa namna ya kusema wazi wazi. Un homme. Mutu. Ne peut pas se dire croyant. Hawezi kusema kama yeye ni Mkristo. Afa que ceci n'arrive. Kama hii mambo hayamufikia yeye. Alléluia. Amina. Je lis encore. Na isoma tena. À suivre l'autre point, l'autre paragraphe. Qui fuga l'autre phrase. Ah, on sema mungine. Oh là là. Oh, il dit ceci. Anasema hivi. Oh là 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 là. Un homme ne peut pas se dire croyant. Mutu hawezi kuzijiita Mkristo kama ile majabu. Aucune église. Hakuna kanisa. N'a le droit de s'appeler. Une église ya kujita kanisa. Qui croit. Ambaye naamini avant que ce miracle ne l'ait accompagné. Na inakosa majabu yako na isindikize ile kanisa. C'est ce que Jésus a dit. Ile ndio Yesu alisema. Qu'est-ce que cela fait? Sera la parole manifeste.
manifeste. Ce soir, nous devons voir toutes les promesses que Dieu a données à l'Église. Il a envoyé le Saint-Esprit pour vivifier la parole. Même vous êtes la semence parole que Dieu a mis à vous. Et il a envoyé le glorieux Saint-Esprit pour vous vivifier. C'est pourquoi ce soir, je peux vous voir debout dans les promesses. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler à cette montagne. Vous pouvez guérir les malades. Vous pouvez chasser les démons. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu qui rend la parole manifeste. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez transformés. Saisissez la promesse. La manifestation. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour chacun de nous. Dieu veut vous voir. Dieu vous donne les promesses. Que Dieu vous bénisse soir. Amen. Glory be to Jesus. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur encore une fois. Tu ne peux pas être à l'église de Jésus-Christ si Jésus ne se manifeste pas là. Et l'église n'est pas la maison. L'église c'est toi. Tu dois marcher avec le surnaturel. Le frère Branham dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme double. Ce corps, Paulo, ce corps est en contact avec le naturel. Mais l'homme intérieur, il est en contact avec le monde invisible. Et les anges doivent te visiter. Les anges doivent te visiter. La manifestation, c'est la confirmation. La manifestation, c'est l'évidence. On ne croit pas la parole par la sagesse humaine. Et le prédicateur devait cesser d'être journaliste. Il devait être le prédicateur de l'évangile. Et l'évangile, c'est démontrer la parole. L'église du Dieu vivant a le surnaturel du matin au soir, de lundi à dimanche, du premier au 30. De janvier en décembre. Si ça ne va pas, mets-toi à genoux, appelle le Seigneur. Ses oreilles ne sont pas bougées pour t'écouter. Il t'écoutera et il viendra. Alléluia. Jésus, je viens. Je viens. Tel que je suis, je viens à toi, ô Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Yesu na ye, na ye na yo, yo kambanga, na ye na yo, Yesu na ye, na. Que chacun puisse prier le Seigneur. Qu'il a moja patrick mumba buana. Thank you.
Il y avait des pailles. Kulikuana. Pailles. Nanyasi. Qui était entré dans ton œil. Il y a ingi andani ya jicho lako. Il y a juste ça a commencé à faire mal. Il y a nja kuuma. Tu frontes l'œil. Uko na saka macho. Frontelaire. Maintenant, ça commence à faire sortir des conjonctivites. Ça, c'est l'endroit que tu as ma conjonctivite. Dieu soit il fait conjonctivite. L'endroit où tu as ma copie. Tu commences à avoir des conjonctivites dans cet œil-là. L'endroit où tu as ma tocote dans l'œil de Dieu. Attends-moi le prêtre qui. Uningo, jongo, jomtungaji, kisha ibada. Tu as une douleur. Una maumivu. Qui commence en dessous de ton nombril. Ina anja chini ya kitofu yako. Ça monte. Ina panda. Ça vient jusqu'à l'estomac. Inafika mpaka kwenye estomac. Et ça descend. Na inashuka tena.
ça marche, ça circule dans ton ventre. Iko na tembea tembea ndani ya tumbo yako. C'est une possession satanique. Inakuwa jambo moya kimapepo mchafu. Il n'y a pas guérison à ça. Hakuna uponyaji fulani juu ya hiyo. Mais le Seigneur, lakini Bwana, va te guérir maintenant. Atakuponya sasa. C'est terminé. Imeisha. Tu as vécu mal. Uliishi mubaya. Et tu fus atteint par une maladie vénérienne. Na umepata magonjo ya zina. Ça fait longtemps, c'est pas maintenant, ça fait longtemps. Ishakawie le mambo. Tu as été traité. Baisha kutunza. Toutes sortes d'antibiotiques. Hali ya antibiotique yoyote ya dawa yoyote. Tu n'as jamais été guéri. Hauyaponeshwaka. Tu vas voir le pasteur Pelekil. Utaona mchungaji kisha ibada ofisini mwake. Tu es une femme. Unakuwa mwanamke. On t'avait donné le nom de ta grand-mère. Cette grand-mère était vraiment une personne ride. Alikuwa mtu mwa mukali. Et son esprit, na roho son caractère d'entêtement, tabia yake ya kichwa ngufu, est venu sur toi. Imekuja juu yako. Tu essaies de te débarrasser. Unapima kuachana naye. Par des prières, kupitia maombi, par des jeûnes, kupitia kufunga chakula. Cet entêtement n'abandonne pas. Ile kichwa ngufu haikuachi. Le Seigneur t'aime. Bwana nakupenda. Tu vas voir le pasteur aujourd'hui. Utaona mchungaji leo. Quand c'est la fin de cela. Kwani ni mwisho yake. C'est le jour de ton affranchissement. Ni siku ya kutiwa kwako huru. Gloire. 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 Alléluia. Même l'homme, même la personne qui avait la paille de l'œil, ton œil vient d'être guéri maintenant. Le Seigneur vient de guérir ton œil. C'est terminé. Tu es affranchi. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et digne de louange. Agneau assis sur le trône, et à toi j'ai la ma voix et louange. Agneau assis sur le trône. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Oh, le Saint-Esprit a un travail à faire avec toi. Il veut te servir. Il veut se servir de toi. Au lieu du travail, il y a toujours des tiraillements là-bas. Mais le Seigneur t'a placé là pour le refléter. Ton chef te cherche des problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est terminé. Ta présence est là. A un but. Il y a une âme à sauver. Dans ton poste du travail, le Seigneur t'a envoyé là pour une mission. Je ne connais pas la personne, mais il parle et il monte par la vision. Tu es là pour une mission. Il y a une âme à sauver. Peu importe les attaques des personnes, ça ne te changera pas. Personne ne va te ôter de la place où tu es amené là. C'est ton travail. C'est ton travail. Demeure là. Tu me parles. Père céleste, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois les cris de joie, reçois les cris de victoire. Nous avons un Dieu victorieux, puissant, merveilleux. Alléluia. Père, laisse que la parole puisse se manifester dans tes fils, tes filles, que chaque homme, que chaque femme puisse avoir un témoignage qu'il a un Dieu vivant. Il appelle sur la scène et Dieu
a résolu son problème. Bénis la parole. Bénis le prédicateur. Bénis l'interprète. Bénis le dîme à la offrande. Bénis ton église. Bénis chaque âme qui a reçu la parole avec joie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous crions Amen. Criez-moi un Amen. Criez-moi un Alléluia. Acclamez le Seigneur plus fort. Oh, gloire à Jésus. Oh, si papa Jésus. Amen. Amina. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Dieu, mon père, par Jésus-Christ, tu connais. Le Seigneur a franchi son peuple. Bwana na tia uru taifalake, amina. Oh, le Seigneur te manifeste. Bwana na kuzirisha. Manoak, tu vas recevoir un fils. Utapoke a mwana. Manoak, le Danite. Ule mutu wa Dan, mutu wa kuishi mwingine bekwa ni Dan. De la tribu de Dan. Ya kabila ya Dan. Tu as pour signe l'aigle. Uko na alama yako inakuwa tai. Tof tof. Alléluia. Amina. Et Dan est à l'ouest. Na Dan inakuwa ngambo ya magharibi. Il a pour figure l'aigle. Iko na sura yake inakuwa njo tai. C'est nous. Iko njo sie. Et toi Manoak. Na we Manoak, tu vas recevoir un fils. Utapokea mwana. Un fils nous est né. Mwana mezaliwa kwetu. Un fils nous est donné. Mwana metupewa sisi. On va l'appeler. Watamuita. Consolateur. Prince de paix. Mutawala wa salama. Père éternel. Papa wa milele. Cette fois-ci, mara hii, ça ne sera pas Samson de rétrograde. Atakuwa Samson utarudia nyuma. Tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Utapokea Yesu ndani maisha yako. Dan. Jésus. Yesu. Tu vas le recevoir. Utampokea. Le puissant vainqueur. Mushindi wa uwezo. Dis-moi un amen à ça. Niambie amina kwa hiyo. Balinga balinga te. Apenda sipopenda. Nous sommes les gens de l'Occident. Tunakuwa watu wa kaskazini. Kaskazini? Kaskazini mashariki. Ah, magharibi. Moi je connais Joël plus que toi. Mangaribi. Nous sommes les gens de l'ouest. Tuko watu wa mangaribi. Vers le soir. Wakati wa mangaribi. Vers le soir. Wakati wa mangaribi. La lumière apparaîtra. Nour itaonekana. Ça sera pas le soleil. Haitakuwa jua. Et Jésus a dit. Na Yesu alisema. Vous êtes la lumière. Munakuwa nuru za hii dunia. Christ en toi. Christ ndani mwako. L'espérance de la gloire. Tumaini ya utukufu. Dieu. Mungu. Veut voir une église. Anataka kuona kanisa ya uwezo. Oh, que Dieu bénisse. Basi Mungu awabariki. Les personnes watu ces paroles de connaissance. Wenye kupitia neno la ujuzi. Parla de la femme qui veut te débarrasser de l'entêtement. Unataka kuachana na kicho ngufu. Cela vient du caractère. Inakuwa kutokana na tabia de ta grand-mère. Ya tatea kwa mwanamke, mwanamke alimletea jina yake. Uvoma au bureau. Uone mchungaji ofisini mwake. Le jour de l'enfranchissement. Kwani ni siku ya kukutiwa uhuru. Être délivré de ce mauvais démon. Utakombolewa kusi pepo mchafu. Gloire à Dieu, toi aussi tu as vécu mal. Wewe mwenye ulishi mbaya tangia zamani kule. Ulipokea malaria zinanya iponake. Le Seigneur t'a pardonné. Bwana amekusamehe. Et il veut te guérir. Nataka kuponya. Et pour les gens qui ont le problème des yeux, na yon, mukuna mambo ya macho. La paille était entrée. Kulikuwa na kitu lingana na macho. Different. Onasaka. Les devient rouge. Jicho yanageuka nyekunda. Le conjonctivite commence à sortir maintenant. Matoko yanaanza toka sasa. Le Seigneur t'a guéri. Bwana amekuponya. Mais vois mon bureau. Na uniona hata hivi kwa ofisi yangu njoo mchungaji. Ona mchungaji kwa ofisi yake. Et une chose qui tourne ton ventre. Na kitu yako nazungua nda tumbo yako. Et ça fait mal. Na inalumaka. Tu n'as jamais voulu parler de ça. Hawa penda kusema juu yenyewe. Mais y a qui te connaît plus que toi. Lakini hakuna mtu anakujua kushindia wewe pale. Il veut mettre fin à cette souffrance. Anatia mwisho. D'ailleurs c'est déjà terminé. Kwanza ishaisha ta. Mais tu me vois. Akini hata hivi ona mchungaji. Aimez-vous le Seigneur? Unampenda Bwana kweli?
Est-ce que vous aimez le Seigneur? Dieu vous a bonne quelli. Voulez-vous le voir dans votre vie? Alors recevez-le. Parce que vous amina. Je dis recevez-le. Recevez votre part. Vous votre bénédiction. Dans la nous. Une onction spéciale. Qui peque. Amen. Les frères de l'assemblée de Higa Barrière, vous saluez au nom de Jésus-Christ. Wandugu, vous saluez au Barrière, vous saluez bien la bonne Jésus-Christ. Je suis notre diacre Étienne Tchongo. Et je suis ma chère Étienne Tchongo. Moi, c'est Babil, vous saluez également. Moi, c'est Babil, nous saluons. Jacques Walado. Jacques Walado. Je remercie Dieu pour la riche protection envers moi. Et toute ma famille également pour son soutien. Lors des examens du deuxième semestre. Wakatu examen du deuxième semestre. Qu'il soit adoré à jamais. Ah, si fiu et daima. Sokui. Josephine Muteba. Sokui Josephine Muteba. Remercie Dieu car elle avait des soucis. Mais Dieu l'a donné la paix du cœur. Grâce à la prière du pasteur. Sœur Chantal Amos. Remercie Dieu pour la guérison de ses yeux. Et de défense de son enfant. Elle remercie les diacres. Oudala et les diacres Lokolo. Pour leur soutien dans la prière. Sami Bassa. Merci Dieu de l'avoir donné le travail. Léa Kosso. Léa Kosso. Remercie grandement le Seigneur Jésus-Christ pour son assistance lors de la défense de sa mémoire. Ok, la sœur Esther Jéhovah Jiré. Remercie Dieu pour avoir retrouvé son enfant qui était perdu pendant 2 mois. Acclamons d'abord ça, pour particulier. Oh, gloire à Dieu. Le frère Jacques Katanabo, remercie Dieu pour le retour de sa femme à la maison après la prière du pasteur Ben. Et il lui a donné beaucoup de il lui a donné beaucoup de production dans son champ. Que Dieu soit loué. Moi, Timothée, remercie Dieu de m'avoir libéré des mauvais songes ou des cauchemars après la prière du pasteur. Frère Jacques Odia, remercie Dieu pour avoir donné le diplôme d'État à son fils Victoire Kamna. Sœur Dorcas Nyembo, remercie Dieu d'avoir guéri des choses qui lui piquaient dans le corps. Que la gloire de l'Éternel soit louée à jamais. Jemima Baneki, remercie le Seigneur d'avoir guéri son enfant après la prière du dimanche. Frère Mardoché Bahati, remercie grandement le Seigneur Jésus-Christ car il était venu malade et que le diacre Eli Mobembo a prié pour lui à l'ouverture du service de ce soir. Il a prié aussi pour les malades. Il est instantanément guéri. Prenez les acclamations pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Action de grâce, frère Flora Kamulete. Flora Kamulete. Ok, il a donné action de grâce. La sœur Birungi Rachel demande la prière pour son père arrêté à l'auditorat militaire. La sœur Espechua. La douleur dans le corps. Rachel Kosso. À la mauvaise tête, l'angine et mal aux articulations. Zoé Birwaga, la malaria. Frère Léos Joseph. Demande la prière pour l'enfant à Sante Basito qui est paralysé à Walo. Sœur Nganabo. Demande la prière pour sa jambe qui fait mal et son ventre. Vihamba se face à la grippe. Josephine Ngoy à sa mère qui est souffrante de la malaria et de grippe. Marie Djumade demande la prière pour son enfant car son enfant va passer sa défense demain. Claudine Ngalula demande la prière parce qu'elle est tourmentée par des démons de Marie de Nuit. Zachary Katanabo souffre de la malaria. Brigitte Zawadi demande de la prière pour son mari, Dieu merci, qui a des douleurs dans son corps, des éruptions cutanées. Et son enfant Josué a été brûlé par l'eau chaude. L'Ifeta Shekina demande la prière car elle a des douleurs au dos. Sœur Dorcas Nyembo demande la prière pour son téléphone perdu le dimanche, que ce téléphone lui soit restauré. Mettons-nous debout. Et est-ce que vous croyez que le diable, je dis, je chasse les démons par le doigt de Dieu. Ma pepo na, ki dole et vous êtes le corps de Dieu.
Oui. Chassez-moi ces démons. Ordonnez la guérison de ces maladies. Dis-moi que c'est terminé. Est-ce que c'est terminé? Meisha. Alors c'est terminé. Meisha. À toi soit la louange. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. Ces malades sont guéris. Ils sont libres maintenant. Père, alléluia. Nous sortons. Sors avec nous jusqu'à la maison en sécurité. Fais sortir le frère Tchoukou de la prison au nom de Jésus-Christ. Et si on a prié, amen et amen. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Oh, pardonnez-moi, ne partez pas hier. Je dois vous le transmettre. Sinon, ok. De la salle des dons. Et natoa kuchumba makarama. Na moni pasteur ben likolo na na sommet en komba. Naona mchungaji ben juu ya songi ya kilima. A transpirer ma kasi. Anatoka jasho sana. Ezali ko mouye. Nguo yake iko na toa jasho. Pe azolo ba plusieurs fois. Kisha kuna sima mara na mara. Monte. Mopande. Wana azolo ba. Pale namle kuna sema. Il y a aussi la lourdeur et la lourdeur. Kuna pia uzito na uzito. Batu bazalaki mingi na seyangomba. Batu balikuwa chini mingi chini ya kilima. Biko na pima kupanda juu. Sika pastera zali na some. Kwenye mchungaji kwa yule kusonge. Batu wana. Lakini hawa watu. Bazukokate. Hawi kunafikia. Kumata. Kupanda. Pastera zolo ba monte. Mchungaji wa sabasi mupande. Lese la lourdeur, lese monte. Mwache buzito mupande. Ndambo ya batu mukeka. Kunja kwa watu mwakidoko tu. Biko na pima kupanda. Wengine wiko tu chini ngomba chini ya kilima bien aimé wapendwa ina pariena spiti hakuna omba kueleza zaidi hapa. Cette église a une vocation. I kanisa ina wito de monter ya kupanda atteindre le sommet au Jésus Christ fikia kusonga ndani ya Yesu Kristo de manifester Dieu ici izirishe Mungu hapa bunya. Ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, je dis c'est petit. Dis-moi que c'est petit. Petit monter ensemble. Jusqu'à atteindre dans le sommet. De voir Dieu agir. Il y a trop de lourdeur. Kuna uzito mingi. Allez prier. Mwende mwombe. Je vais chercher des mots demain. Tafukuza le pepo mchafu kesho. Ce que tu es particulier ici à Bunia, toi. Il n'y a pas de nous ici. Hakuna mambo basisi hapa tu. Il y a de moi. Iko mie. Toi. Wewe kibinafsi. Wewe kibinafsi. Wewe peke yako. Que le Seigneur ôte la lourdeur. Bwana toshe uzito. Et qui te donne les ailes comme l'aigle. Na kulete mabaza wa tai. Pour monter dans la gloire. Kupanda na utukufu. Allez dans la paix du Seigneur. Mwende salama Bwana. À nous revoir demain. Tutaonana kesho. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki amina. N'oubliez pas ça. Musisahau kamwe. À la croix où mourut mon sauveur. J'ai crié pour être purifié. Allez sans fil à piquer. Oh gloire à son nom, à l'agneau gloire. Et à Jésus gloire. À l'agneau immolé, allez sans fil à piquer à mon cœur. Gloire à incroyablement. Et dans la douceur, Jésus est amour. La croix.